Rendre la monnaie n'est plus un casse-tête aux délices de Saint-Cyr. Cette boulangerie a opté pour la machine à monnaie, une grande première en Indre-et-Loire. Tout est maintenant automatique et la patronne s'en réjouit. Cette machine est beaucoup plus efficace qu'une caisse ordinaire. Le rendu monnaie, il n'y a plus d'erreur. On peut embaucher une petite jeune débutante, elle n'aura pas de problème de rendu monnaie, il n'y aura pas de problème avec la clientèle. Non, c'est génial au niveau de la gestion. Les filles, elles y sont tout de suite faites. Le client introduit ses pièces dans le haut de l'appareil et récupère ensuite sa monnaie par le bas pendant que la boulangère prépare sa commande. Et pour les billets, nous les insérons dans le coffre par ici, de l'autre côté. L'argent va directement dans un coffre fort et les vendeuses n'ont plus accès à la caisse. Très pratique, ce nouveau système est aussi plus hygiénique, plus simple pour la gestion des comptes et permet un accès aux recettes par Internet. Mais si la boulangerie de Saint-Cyr-sur-Loire s'est équipée de ces deux machines, c'est surtout pour prévenir des braquages, car elle a déjà été cambriolée à deux reprises. La propriétaire a dû investir près de 20 000 euros dans ce nouveau dispositif. Et du côté des clients, les avis sont encore mitigés après un an d'utilisation. Le contact avec la vendeuse est moins évident, il est plus superficiel. Mais côté pratique, côté efficacité, je pense que c'est assez efficace et ça permet une rapidité dans le fonctionnement de la maison qui paraît beaucoup plus évident. Et tout le monde est gagnant car la machine n'a pas remplacé l'homme et la propriétaire compte même embaucher plus de personnel.